Amis viewers, bonjour et bienvenue pour les suites d'aventure sur Dawn of... Oh. Dawn of Man. Alors, bon, on va récupérer la bouffe. Par contre, où mes chasseurs? Ouais, voilà quoi. Il faut agir un peu plus vite, les mecs, quand même. Ok. On fait voir un petit peu la vue du chasseur, là. La vue primitive. La vue... en fait... hop. Les hommes préhistoriques étaient tous des assassins. Ça court beaucoup trop vite, quoi. Hey, vous êtes à côté, les mecs, là. Vous faites quoi? Ok, super. Ok, de la boostify. On est quoi? Là, on est à l'automne. Est-ce que tout le monde est habillé? J'ai l'impression que oui. Qu'est-ce qu'on pourrait craft, alors? Un petit peu d'outils, peut-être? Il est où mon camp de pierre? Ça, c'est quoi? C'est les branches. Ça, c'est des baies. Ah, alors attends. Zone de travail suivante. Tanin, arbre. Ah, pierre, c'est là. Ok, je l'ai limité à 10 pierres. Ok, ça marche. Bon, je sais pas trop s'il faut limiter à 10, 15, 20, 30, 18 000. Je saurais pas vous dire. D'accord. J'ai gagné des points de connaissance à refaire des trucs que je connaissais déjà, c'est cool. Des bois, j'allais dire des pots, mais ouais, j'ai un seul séchoir, mais il a l'air de... Pourquoi il y a un tronc d'arbre là? Non, pour l'instant, j'ai besoin de rien. Hein. Je fais pas mal d'outils, ça nous servira pour après, je pense. Au pire, je les revendrai, hein, c'est pas un drame. Il y avait un mégalocéros là, il est disparu. Ok, nous avons un mégalocéros magique qui sait se fondre dans la pampa. C'est quoi ça? Bison Monticus? Je suis sûr que ce soit une très bonne idée. Hein.
Et vous faites quoi? Oh, oh. Et des fois, vous êtes un peu con, non? Vous êtes à côté du truc, vous allez rentrer à la maison pour revenir après, c'est ça? Non, je vous confirme, hein, vous êtes un peu con. Les hommes des cavernes, faut pas trop s'inquiéter. Ok, 7 points de technologie, on va bientôt pouvoir passer à l'époque super, à l'étape supérieure. Alors, connaissance, hein, excavation de puits, on va pouvoir créer de l'eau. Par contre, je sais pas combien ça va nous coûter les nouvelles technologies, parce que là c'est 15, mais c'est pour passer à un nouveau palier. Est-ce que toutes les technologies du palier ça va être 15 ou ça va être 5? Je sais pas du tout. Nous n'avons plus de silex, très bien. Ah, bien grave. Ah, je suis obligé. Il me nargue depuis des heures, ce truc de merde. Ouais, non, je suis pas obligé en fait. Comment je me dégonfle? C'est pas bien. Là, je me suis dégonflé, mais alors. Oh, c'est pas bien. Pas fier de toi, Krug. On a de la viande qui sèche. Dégage-moi ça, ça fait désordre. Oui, on n'a plus de silex, je sais. Je me demande si le silex ce serait pas la ressource la plus rare du monde. On va en extraire un peu. Là aussi, peut-être. Tous les emplacements de stockage sont occupés, d'accord. Eh bien... Ouais, ça va devenir bordélique. Mais j'aime pas trop m'étaler, moi, au niveau des bases. C'est toujours dangereux de s'étaler. Ok, nous sommes à 12 points. Hop, 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 bien ici. Deux. 13 points de connaissance maintenant. L'homme qui évolue. Alors, comment on fait pour évoluer? On tue des gens. On tue des bêtes. Voilà, tuer des bêtes, c'est l'évolution de l'homme. Un âne, ça m'a pas fait de point de connaissance. Pourtant, c'est le premier âne que je tue. Hein. En tout cas, volontairement. Oh là, oh là, oh là, oh là, calme-toi. Ouais, on va se taper du sanglier. Donc les sangliers qui copulent avec les bisons, c'est marrant. Ah, qui copulent. Non, c'est pas copuler le mot que je cherchais. Ils font copain-copain, quoi.
Vas-y, attends, Oh, t'es sérieux. J'ai 14 points de connaissance. Le petit 15e qui va faire plaisir là. Yes. Hop là. Donc c'est 7 points pour les nouvelles technologies. Très bien. Non, arrête. Alors, construire production. Transport, tiens, donc c'est quoi ça? Les transports augmentent considérablement l'efficacité de notre colonie, certaines ressources, sont lourdes et difficiles à porter, seuls les adultes peuvent transporter, les traîneaux et chariots, blablabla. Technologie débloquée, poterie, oui, d'accord. Ouais. J'avais cru comprendre que je pouvais faire des puits. Ouais. Nécessaire pour eau et... Ah! Ok, d'accord. Excavation de... Enfin, pour faire des puits, c'est la technologie d'après, en fait. C'est un prérequis pour la technologie suivante. Par contre, je suis censé pouvoir stocker de l'eau. Non mais alors par contre, est-ce qu'on n'arrêterait pas de faire des fringues? Je sais pas. Je les vendrai au prochain marchand qui passe. Des ours. Est-ce que je peux tuer maman ours? Ah bah Disney va pouvoir faire un film, hein, la maman ours qui s'est fait tuer par des méchants hommes des cavernes. Ah, Viron est mort de vieillesse. On fait quoi? On l'enterre ou... Bon, ça a l'air de se faire tout seul. J'essaie de jeter un oeil un petit peu à mes ressources, voir un petit peu si je peux améliorer le bordel. Sorbier. Oui, c'est le fameux arbre qui donne des sorbets. Hein. Des sorbets fraises, pommes, bananes, poires. Ça pousse sur les arbres. Non, je connaissais pas le sorbier, honnêtement. Dites-moi dans les commentaires si vous savez quel fruit ça donne. C'est pas la peine d'aller sur Google, sinon c'est nul. Hein. Si tu sais pas, tu sais pas. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, la preuve, je sais pas. 2 points de connaissance, ok, on est à 5. Un nouvel humain a rejoint la colonie. Très bien. Alors 2 points de connaissance et on pourra débloquer. Ah, je sais, ouais, je sais. Ouais, peut-être bien polissage de pierre. Ah, archerie. Hein. Ouh, fortification. Franchement, je sais pas. Alors. Extraction minière souterraine. Putain. Et alors, l'archerie, ce serait cool quand même. Mais pouvoir commencer à faire mes céréales. Quand l'homme a commencé à cultiver ses propres céréales, c'est devenu un peu plus sérieux le délire, tu vois.
Là, on a commencé à peser dans le game. Fini la nomaditude. La nomaditude. On est passé à la vitesse supérieure, quoi. Bon, là tout de suite, la chasse, ça se passe bien. Alors après, a priori, hein, je vois passer, vous savez, les infobulles, les machins. A priori, il va y avoir des brigands après. Si je peux faire des fortifications, c'est qu'il y a d'autres tribus qui vont m'attaquer. Donc, pour plus tard, oui, les arcs, clairement. Et oui, je vais effectivement commencer par ça. Alors par contre... Pas de meule de foin. On va s'installer par ici pour l'agriculture, je pense. Pierre permettant de moudre céréales en farine, d'accord? Ouais, mais... Non mais t'as pas compris là. En fait, je peux pas, j'ai l'impression que je vais pas pouvoir planter de graines pour le moment. Ah bah tiens, extraire de l'eau. Ah d'accord. Tana, extraire de l'eau, abattre des troncs, pierre, plante sauvage, pêcher. Écoute, je vais venir essayer de faire ça. On va être 3 mecs à la collecte. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Donc lui, il va faire de la farine en boucle. D'accord. Et ça... Pour stocker de la paille, ça va se faire tout seul. Le marchand est arrivé. Marchand. J'ai plein de tenues en pot à te vendre, mon gros. C'est quoi, ça? Peut-être pas tout, hein. Bon, quoique ça, normalement, c'est ce qui n'est pas utilisé. Normalement. Donc j'ai 120 de valeur marchande. Pas... Oh bah tiens, hey. Hé. 165 de valeur. J'espère que c'est ce qui n'est pas utilisé. Ok. Oh, j'ai un traîneau, je suis un beau gosse. Ah, il faut le dire. C'est où le transport? Ok, donc ça c'est à moi ça? Tu vas où? Non, c'est le marchand. Je sais pas trop ce que je viens de faire en fait. Ah bah tiens, céréales, paille. Je pense que j'ai acheté la technologie qui va me permettre de... de crafter mes traîneaux. Ce qui est déjà pas mal. Alors on va le faire tout de suite. Donc une paille, enfin un céréale, ça fait un de farine.
Normalement, on devrait pouvoir faire du pain derrière. Ça bosse, ça bosse, ça bosse. Ok. Un point de connaissance. On a deux points de connaissance. Certains individus n'ont pas de vêtements chauds. Ça, c'est pas cool. Non, ça bosse. Hein. J'ai du cuir. Je vais refaire des vêtements comme ça. C'est bien, hein, les trucs comme ça automatiques, ça se fait plutôt pas mal. Hein. Il va chercher son chariot, machin. C'est plutôt bien foutu, je trouve. Et puis lui, bah lui, il va faire du pain, donc il faut une farine pour deux pains. D'accord. Donc on va commencer, effectivement, à produire du pain. Bon, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que je ne peux pas, a priori, pour l'instant, je peux pas encore planter de blé. Domestication des céréales. Néolithique. J'imagine que c'est cette technologie qui va nous permettre de... Ah oui, on va finir avec des épées en acier quand même. Oui! J'ai un petit peu peur des premières rencontres avec les méchants, les brigands, les brigands, c'est ça. Pour le coup, je suis vraiment pas prêt, quoi. C'est quoi ça? Des loups? Ah ouais. On peut chasser les mâles, enfin les adultes, et essayer d'apprivoiser les enfants. D'accord, c'est fait. Ça se fait bien. Je pourrais tellement collecter plus de ressources, mais... J'ai plein de gars qui foutent rien en fait. Je cherche mon truc de pierre. J'ai demandé plus de pierres. Alors attends. Ça c'est pierre. Ouais. Et j'ai plus de zone à silex en fait. Thank you.
Bon après, est-ce que je vais avoir besoin de silex? Vu qu'on est vachement en train d'évoluer dans le temps. La pierre polie, c'est pour pas trop longtemps. Pareil, j'ai des os. Est-ce que faire un deuxième lieu de culte, ce serait peut-être pas trop mal? Je sais pas. Alors, je pourrais faire de l'eau, effectivement, mais bon, là, le lac, il est à 10 mètres, quoi. Une petite chasse au mammouth. Oh, il est mal, lui. Coupez-moi cet abruti. Ça aurait été con de s'en priver. Pas encore chassé le mammouth, hein. Peut-être falloir qu'on s'y mette. Niveau peau, on va être bien. Niveau viande, 45 viandes d'avance. 34 viandes séchées, donc ils ne pourriront pas. Des chiens. Voilà, il y a ce qu'il faut. En espérant qu'ils me défendent en cas d'attaque brigandine. Je pense que oui. Hein. Je pense que oui. Qu'est-ce qu'il fait, lui? D'accord. Le blé, c'est bien gentil, mais il n'y en a pas des masques. Comment est-ce qu'on pourrait détecter du blé? Ça peut être facile. Ami Donnier, ouais. Ah oui, d'accord, il y a des saisons, ok, ça marche. Très bien. Bon, bah sur ce, les amis, je vais vous laisser là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, et on se revoit demain pour de nouvelles aventures, bien sûr. Ciao. Mégalithe, ça fait quoi, ça? Technologie mégalithisme. Ah, c'est peut-être pour le tailler. Non, c'est pour l'extraire. Qu'est-ce qu'une mégalithe? Je ne sais pas. Des bisous, à demain.